Tout le monde connaît la prison son côté qui est extrêmement dangereux. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une bataille mal en prison pour Jean Liberté Bell? Sous point sans bal palo des 10 prisonniers qui sont plus dangereux dans le monde. Là. Avant tout, nous invitons à abonner avec la page. Là. Ou même qui fait ça déjà, nous vous merci. Et ou même qui peut faire ça, nous encourageons à abonner, like et puis quitter un commentaire. Comme ça, encourager nous et nous avons plus de force pour nous continuer. Nous partons. L'inventeur de Rostov. Monsieur Gensou non l'inventeur tant que Jack l'inventeur parce que dans quelques années avant, Jack était tiré plus que une centaine de filles en Angleterre. Pour Rostov lui-même, monsieur porté non ça parce qu'il sortit en Rostov, USS à l'époque pays Russie. Vrai nom c'est André Chikatilo. Pendant 12 ans, monsieur tiré plus que 52 filles à Timoun. La police était toujours suspectée, mais au pas de arrêter parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour être condamné. Finalement, en 1990, il a été arrêté et il a confessé 36 meurtres qu'il a commis. Mais dommage, ça n'a pas suffi. En 1992, la justice a condamné à mort. BTK. Vrai nom, c'est Dennis Ryder. Autorité et médias ont été le BTK. Je ne vais pas vous dire ça, mais je suis obligé. En 1974 à 1991, il a tué au moins 10 personnes au Kansas, pays États-Unis. Mais c'est tellement foqué. Chaque fin de tion moun li écrit la police une lettre pour le trip sou yo. Mais dommage, c'est lettre sa yo qui pourrait permettre l'arrestation en 2005. Mais c'était voir une vidéo by autorité après te fin commettre yon meurtre. Et sous même vidéo ça, autorité yo te retracé et yo te vinn joine ni, la police te arrêté et puis condamné la vie. Le trangleur au sous-vêtement. Même Jacques non monsieur, mais c'était toujours senti lui. Bon nom c'est Jack Unterweger. Mais yo te connait le Jack. Monsieur son autrichien et depuis le petit, il était toujours qu'on a arrêté le pour viol. En 1974, monsieur était dégénéré parce qu'il était contre ses filles à propre soutien. Il était tiré plus que 40 filles, même gens. Juste avant, il était entré à Los Angeles pour tirer plus l'autre encore. Il était arrêté, mais il était libéré parce qu'il n'avait pas gagné assez de preuves, mais il était still toujours recommencé. Finalement, la police de Los Angeles était arrêté et était condamné à la vie. Mais ça qui doit, il travaille pour un magazine. Et il n'a pas jamais suspecté pendant tout le temps qu'il a fait le travail dans le magazine. 4 ans après, il est venu suicider tête, même façon de continuer victime. Le véritable Gripsou. Pour les gens qui ne peuvent pas regarder le livre, mini-série animé CA, c'est un clown qui toujours a marché fait les gens paix et pitié. C'est un film fiction, mais qui n'a pas seulement été en fiction. On regarde. Et bien, dans les années 80, pendant le film ça a été sorti, John Wayne Gacy a fait mon vie film ça réellement. Avant, Wayne était un mari avec un papa normal. Mais il a eu une vie cachée qui pièce mon pas de jambes qu'on est. Il a commencé à déguiser un clown et puis interpréter un personnage qui a eu le pogo. Pour être supposé, Bosso, le clown. Mais il a pire mais Gripsou. Volontairement, il a animé fait pour Timoun et saisi l'occasion pour le kidnapper et puis tirer. Dans quelques enquêtes de police qui ont mené, ils ont soupçonné monsieur. Et Léal fait recherche, il y a un commun sa yo la Kaili. Et il y a un koyo tout, bon yon rivière qui était tout près. Monsieur, c'est un criminel qui est plus terrifiant et qui est plus dangereux qui existait. Heureusement, en 1978, il était arrêté et puis condamné. Juste en 1974, il était exécuté. C'est sûr qu'après cette histoire, ça, un peu de monde va interpréter. C'est sûr. Iberman, monsieur, pas seulement un criminel qui est plus terrifiant et qui est plus dangereux. Mais monsieur c'est un tout qui a un caractère qui est vraiment terrifiant. En 2012, il a été arrêté parce qu'il a battu un policier dans une toilette après une discussion qu'il a eu. Mais ce n'est pas ça que tu as fait les médias à parler de lui. Vrai, ce que tu as fait les médias à parler de lui, c'est le fait qu'il ait un visage terrifiant et qu'il a laissé un paquet de tatouages dans le visage. Il a tatoué un œil en noir qui a eu un eyeball tattoo en anglais. C'est pour ça que tu as eu l'eyeball man. Mais vrai, c'est Jason Barnum. Bon, il s'est vraiment fait peur. Il s'est publié sur Facebook une photo qui a tout col plein de tatouages et un gros crâne tatoué sur la tête. Même que il s'est pas un criminel, même bon, c'est tellement effrayant, il tape toujours dans la vidéo. Voilà, mais. Il s'est devenu célèbre parce qu'il a tiré plus de 5000 personnes à 1000 seulement. Et c'est de là non les miens sont sorti. Vrai nom, c'est Joseph Vetcher. Il s'est tiré au moins 4 personnes par jour pendant 5 ans. Mais ça n'a pas suffi. Il s'est allé travailler. Kayon sultan. Mais il pas jamais osé manger sultan ça, nul pas jamais osé manger aucun monde dans haute société. Par contre pour ça fait pas jamais osé manger monde riche, mais en tout cas, nous pas connait ça arrêter un mystère. La demoiselle de la mort,
C'est pas sans raison que il est comme ça parce que même Hollywood inspiré de lui côté Charles Deron était sur écrit un film il relait le monstre qui a raconté histoire à crime li commet. Vrai nom c'est Island Winners. Island c'est sept nèg dans année 1998 pour 1990. En 1991, il était arrêté et il était confessé tout crime. Il passait 11 ans en prison juste avant même qu'il soit condamné. Il avouait qu'il était fait crime ça vrai et il still dit s'il était jeune pour le faire, il t'a préféré encore. L'homme Roma, souvenons le Grady Franklin. À cause de une mauvaise formation congénitale, il était perdu plusieurs doigts et ça devient un handicapé dans main comme si il était semblable avec une pince. Mais à 7 ans, il n'y a pas de trop de bagarre qu'on fait, il était obligé à travailler dans un cirque. Et dans le cirque, ça, il était venu trouver femme ville côté il était marié avec lui. Mais quelques temps après, monsieur Vin a grandi et il commençait à venir entrer dans l'âge. Et pendant l'entrée dans l'âge là, il devient un peu dangereux parce qu'il était venu alcoolique. Le fait que monsieur devienne alcoolique, il était gagné une petite lio qui pas hérité des handicaps qui était fait avec mille normal. Petite fille ça devienne marié et à cause de jalousie, monsieur devienne fait le fait que petite fille a marié, monsieur était tiré marié petite là avec une balle dans la tête. La justice vient arrêter et il était condamné. Mais il n'y a pas de traitement en prison à cause pas de gain assez structure pour être kembé à cause des handicaps. Quelques temps après, il vient relâcher et il était toujours été sous surveillance. Pendant qu'il était en prison, madame Ni était en venir remarier. Le tueur du jeu. C'est pas seulement un monde qui plus terrifiant ni qui plus dangereux, mais c'est un monde qui plus sinistre. Non, c'est Rodney Alcala. Il s'est tué 5 filles dans l'année 70, quelques temps après, il a avoué qu'il a tué 34 encore. D'après quelques enquêtes police faites dans les États-Unis, ils pensaient que monsieur est responsable plus passé 140 crimes. Il était connu à cause de un jeu télévisé qui est le Destiny Game, ou jeu de rencontre en français. Il était reconnu comme photographe et il était servi de ça pour entrer sur victime. Côté victime, c'était toujours mannequin. Et le testé là, dit mesdames, qu'il c'est photographe. Et c'est de là que il pral tuer mesdames ça. La peste humaine. C'est un nan moun qui bat record en tant que moun qui tire plus moun nan monde là. Il était en cuisinier dans ville New York et tout côté le passé c'est tant que le mal était toujours présent. Après 2 semaines à travailler avec un moun, tout moun nan ka la tombé malade. Mais comme à l'époque l'hôpital pas trop efficace, un peu moun était toujours à mourir. Il était venu 4 marqué pour la police. Après plusieurs enquêtes qui ont été faites sur lui, a nié vérité et fait connaître que c'est une coïncidence. Mais comment ça fait arriver pour chaque côté le passé pour moun a pété mourir comme ça? Vraie raison, c'est que Marie était malade. Elle était qu'on injecté maladie qu'elle a dans manger moun yo. Mais moun pas de jambes suspecté. 10 ans après, il était venu trouver un journal intime qu'elle était gagné. Il était venu avouer qu'elle connaît malade et elle conscient de toutes actes qu'elle était qu'on commettre. Merci à tout le monde qui dépend le son pour te garder cette vidéo avec nous. C'était Zami par nous, Paul Lukens. Pas oublier toujours abonner avec la chaîne là. Comme ça, ou pas rater pièce vidéo qu'elle a publiée.